Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Ce soir, nous allons parler dans la partie des débats des efforts déployés par l'Égypte pour donner élan et pour développer le système de l'enseignement. Donc, encore une fois, un des grands projets nationaux lancés par l'État au cours des dernières années. Ça va être quoi la partie débat, comme d'habitude? On commence avec l'actualité. À la une de l'actualité, c'est le Premier ministre Mustapha Madbouly qui a inspecté aujourd'hui le projet du développement du triangle de Maspero. Le président Abdel Fattah al-Sisi avait ordonné de développer ce bidonville et ce dans le cadre de l'attachement de l'État à assurer un logement sûr à chaque citoyen. Ce projet est l'un des géants projets nationaux qui inclut des tours résidentielles et administratives, outre les établissements d'investissement. Sur notre plan, le Premier ministre Mustapha Madbouly a annoncé que de nouvelles mesures seront prises justement pour rationaliser la consommation de l'électricité. Lors d'une conférence de presse tenue aujourd'hui, M. Madbouly a affirmé que ces mesures aideront à fournir davantage de devises étrangères. Il a ajouté que la nouvelle stratégie du gouvernement concernant le secteur de l'électricité allait rationaliser la consommation de l'électricité, notamment dans les clubs sportifs et au stade. Il a ajouté que l'État avait donné ses directives de couper complètement le courant électrique à tout établissement gouvernemental après les horaires du travail. Le ministère de l'Intérieur a intensifié et poursuivi ses efforts dans la lutte contre le trafic de drogue. Les efforts des organes de sécurité durant le mois dernier dans ce domaine ont ainsi abouti à plusieurs grands résultats positifs. Le ministère de l'Intérieur a notamment saisi de grandes quantités de stupéfiants. Durant un mois, les organes du ministère de l'Intérieur ont saisi 4576 procès dans le domaine de la lutte contre le trafic de drogue. L'épouse du président, Madame Entessar el-Sisi, a pleuré la mort de la grande actrice Raghia Hessine, qui est décédée aujourd'hui à l'âge de 83 ans. Après une longue maladie, Madame Entessar el-Sisi a écrit sur sa page officielle « Je pleure avec beaucoup de tristesse et de chagrin. L'actrice talentueuse Raghia Hessine qui a quitté notre monde aujourd'hui, laissant une bonne biographie, faisant plaisir au public arabe tout au long de sa carrière avec l'élégance de son art et son style artistique unique, ainsi qu'elle était une pure femme égyptienne dévouée à son pays, à sa famille et son art. » Comme je viens de vous le dire, ce soir, nous allons parler du système de l'enseignement, les efforts déployés justement pour développer ce système. Ainsi, ce système de développement de l'enseignement lancé en Égypte est l'un des plus grands projets nationaux qui permettrait à l'Égypte de retrouver sa place sur la carte des pays avancés dans ce domaine. L'État cherche à établir un système éducatif moderne en phase de la liaison ou dans le cadre de la vision de l'Égypte 2030, après qu'il s'est avéré que l'ancien était inefficace. La Banque mondiale avait qualifié l'expérience dans la réforme de l'enseignement de l'une des plus réussies et des plus inspiratrices dans le monde. Voici les détails.
Les efforts de modernisation de l'enseignement en Égypte ont commencé en 2014, sous l'impulsion du président Abdel Fattah el-Sissi, par le lancement de l'initiative vers une société égyptienne qui apprend, réfléchit et innove. Les premiers fruits de cette initiative s'étaient fait sentir à travers la création de la Banque égyptienne du savoir en 2016, afin de fournir, par la technologie et gratuitement, des informations sur tous les domaines pour toute tranche d'âge confondue. L'État cherche à établir un système éducatif moderne en phase avec la vision Égypte 2030, après qu'il s'est avéré que l'ancien était inefficace et ce nouveau système a ciblé dès septembre 2018 la maternelle et l'école primaire. Le mode d'évaluation pour le cycle secondaire a été changé afin de tester le degré de compréhension et d'assimilation. Selon le ministre de l'Éducation, Tariq Chaouki, la concurrence actuellement entre les pays se mesure par leur capacité d'innovation, de créativité et de recherche scientifique et que la Banque mondiale a qualifié l'expérience égyptienne dans la réforme de l'enseignement de l'une des plus réussies et des plus inspiratrices dans le monde, raison pour laquelle elle a demandé la tenue au Caire d'une conférence sur l'enseignement au Moyen-Orient et en Afrique. Et de parler que les États africains ont demandé de tirer profit de l'expérience égyptienne dans la mise en place de classes intelligentes dans les écoles surpeuplées. Le ministre de l'Éducation avait indiqué que les nouveaux cours scolaires, un des plus avancés dans le monde, et ont été élaborés en coopération avec de prestigieuses institutions spécialisées dans des pays comme les États-Unis, la France, la Finlande et le Singapour. 41 établissements égypto-japonais, dont 20 gouvernorats, ont été inaugurés ces dernières années, ainsi que 11 écoles de technologie appliquées selon le ministre. Par ailleurs, l'État compte moderniser l'infrastructure scolaire dans la campagne égyptienne, ce, en construisant 14 000 nouvelles classes destinées au cycle primaire afin de résoudre le problème des densités et faire face aux centres d'apprentissage privés. Dans le cadre de la vision de l'Égypte 2030, le pays œuvre à établir un système éducatif fort et efficace, mais aussi moderne. Nous allons parler de tout ce qui a rapport avec les efforts déployés par l'État en ce sens ce soir dans cette partie débat. Et justement, pour vous parler de ceci, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Yousra Charmaine. Bonsoir Dr Yousra Charmaine. Vous êtes professeur de droit à l'université de Ain Shams. Bonsoir. Bonsoir. Justement, j'aimerais commencer avec la maternelle. Puisque justement dans le cadre de ce plan qui a été lancé par l'État pour développer tout le système de l'enseignement, on vise dès le départ les classes justement maternelles et primaires justement dans ce contexte. Et à partir de la rentrée 2018, tout un programme de réforme a été mis en place et qui vise directement ces classes. Justement, tout d'abord, quel regard vous portez sur ce système? On est où? Voilà, si ça a été lancé en 2018, aujourd'hui on est en 2022, la rentrée donc 2022 est prévue dans quelques semaines. Quel regard déjà vous portez sur ce système? Comme vous avez bien mentionné, même dès le début de votre émission d'aujourd'hui, l'État égyptien, elle déploie beaucoup d'efforts pour améliorer le système éducatif. Et il y a en fait une stratégie nationale bien établie pour mieux adapter ou mieux développer ce système éducatif qui part tout d'abord du côté d'ajouter plus ou d'intégrer plus davantage le côté pratique dans le système éducatif. Et concernant la maternelle, il y a en fait des systèmes spécialisés comme voilà Montessori. Il y en a plusieurs systèmes éducatifs qui prend en compte le côté créatif, le côté pratique qui doit être présent dans l'éducation de l'enfant, qui a été ou qu'on a essayé d'intégrer dans les écoles maternelles égyptiennes nationales. Parce que comme vous savez, il y a plusieurs systèmes éducatifs en Égypte. C'est pas lorsqu'on parle, on ne parle pas
uniquement du système national égyptien, mais il y a aussi tout un système d'écoles religieuses, tout un système d'écoles de l'Azhar, il y a aussi les écoles expérimentales, il y a en fait il y a des écoles depuis la maternelle internationale, en fait il y en a plusieurs systèmes justement, éducatifs. Justement, quand on parle de la réforme du système éducatif, certainement on parle surtout de national. De l'enseignement national, ça certainement avant tout, parce que si on parle d'autres programmes, l'État est surtout concerné par justement le système éducatif national. Et justement, dans ce contexte, quand on parle de la réforme ou du développement, si vous le voulez bien, on parle et du programme. Certainement, le programme. Et là, des efforts ont été justement déployés pour rénover, moderniser les programmes, le système même, mais il y a aussi l'établissement, c'est-à-dire tout ce qui est rapport avec l'infrastructure, c'est-à-dire aussi moderniser l'infrastructure, les écoles primaires, les établissements scolaires en général. Et avant tout, il s'agit de l'enseignant. Oui, c'est-à-dire tout sûr. Ce qui a rapport aussi avec je sais pas comment dire, mais justement comment former les instituteurs, les institutrices, justement former les formateurs, si vous le voulez. Avant juste de vous répondre directement à ce qui concerne l'enseignement, je voulais vous dire que la stratégie nationale égyptienne concernant l'éducation, elle a plusieurs axes. Tout d'abord, qu'elle concerne le développement des programmes. Deuxième chose, d'intégrer le côté, comme je vous ai dit, pratique et créatif, d'encourager les entrepreneurs, de transformer tout ce système éducatif en un système d'auto-enseignement ou d'auto-apprentissage. Voilà. Et d'encourager d'autant plus la technologie, les écoles technologiques, l'apprentissage des langues et tout ce qui est lié à la création, à la nouvelle génération. En ce qui concerne les enseignants en particulier, il y a en fait l'Académie nationale de la formation des enseignants. Et aussi, en ce moment, il y a aussi l'Académie nationale de formation, en fait, NTA, National Training Academy. D'accord. Voilà. Alors, en ce moment, il y en a plusieurs écoles ou académies qui ont été créées et dédié à la formation des différents secteurs, des enseignants, des professeurs, des boursiers. En fait, l'École nationale au 6 octobre, l'Académie nationale de formation, elle consacre en fait des formations spécialisées pour chaque secteur, y compris les enseignants. Parce que l'enseignant, c'est le facteur essentiel principal, parce que c'est lui qui est en contact direct et voire toute la journée ou presque la plupart de la journée avec l'enfant. Très bien. Si on parle de l'enfant, on parle aussi d'un système qui vise la santé aussi de l'enfant. C'est pour cela qu'on parle de programmes de nutrition aussi, et on voit aujourd'hui des repas qui sont offerts aux élèves, surtout des classes primaires. Et justement, ça c'est un côté, mais on parle aussi de tout ce qui a rapport avec la santé de l'enfant. Et encore une fois, les programmes ou les initiatives présidentielles qui visent à détecter les maladies chroniques chez les enfants, à viser aussi tout ce qui a rapport avec le bien-être de l'enfant, mais aussi la vaccination, si jamais c'est nécessaire. Donc, encore une fois, c'est tout un programme de réforme qui vise l'enfant. Quand est-ce qu'on pourra justement voir les fruits, selon vous,
de ce programme de réforme? Parce que ça, certainement, on commence avec la maternelle, la primaire, mais il y a aussi des programmes de réforme qui ont été mis en place pour l'école secondaire, pour le lycée, si vous le voulez bien, et le collège, différemment, ça, certainement, mais qui vise aussi à développer l'esprit de synthèse chez l'étudiant en général. Pour le moment, quand est-ce qu'on va voir le résultat de tout ça? Je peux vous répondre pratiquement, c'est avec les années, mais la preuve ou le résultat principal, c'est les gradués, les diplômés. En fait, le diplômé universitaire, il est le fruit de tout un système éducatif cumulé dès sa maternelle et jusqu'à le cycle universitaire. Alors, nos besoins, notre réforme, elle doit répondre certainement aux besoins du marché. Même au tout début de notre maternelle, l'apprentissage des langues, elle prend des années. La langue arabe, elle prend des années. Il faut en fait que tout ça soit cumulé pour avoir un diplômé bien concurrent et compétitif au niveau international. Très bien. Vous avez préciser encore une fois et surtout que les diplômés devaient répondre à la demande du marché. Certainement, les responsables de l'État l'ont à plusieurs reprises mentionné et précisé, et c'est pour cela qu'on parle de cette nouvelle vision quand on parle de qui doit être où, c'est-à-dire qui doit suivre quel enseignement supérieur. Est-ce que tout le monde doit avoir accès à l'enseignement supérieur ou non? Est-ce que tous les diplômés devaient être justement des diplômés de l'université? Et c'est ainsi qu'un grand élan, un grand intérêt a été accordé aux écoles technique, à la formation, pas les écoles en fait, la formation technique en général, certainement pas l'école, c'est pas le primaire, mais après le primaire, c'est-à-dire à partir du collège, certainement, avec une continuité dans le lycée et toute une formation donc technique. Je vais revenir à la formation technique, mais justement, on va s'arrêter là, puisque surtout, on vient de déclarer les résultats du bac égyptien, Sanaoué Aam, et est-ce que vous avez trouvé que justement, selon les appréciations, ça certainement, est-ce que ça reflète un petit peu la demande du marché? En fait, le système éducatif en ce moment, il essaye de répondre aux besoins du marché et il essaye de changer carrément la culture de la société. Quand vous savez, on a toujours les facultés de médecine et les facultés de pharmacie, d'ingénierie. Les facultés du sommet, voilà. Mm-hmm. Par contre, il y a plein d'autres facultés très intéressantes qui doivent être plus remplacées en fait, comme la faculté de droit, elle ne doit pas du tout être à 50%. le pourcentage d'admission à la faculté de droit, par exemple, il est le moindre pourcentage dans toutes les facultés. À mon avis, ce n'est pas du tout raisonnable, puisque c'est la faculté qui va diplômer les juges, les avocats, tout en fait, parmi eux qui travaillent aussi dans les organisations internationales, au ministère des Affaires étrangères. En fait, l'école ou la faculté de droit, elle diplôme des étudiants variés qui ont bien la capacité de travailler dans plusieurs universités, organisations, le parquet. Peut-être que les notes ne sont pas le seul critère, ça certainement. Mais il y a en fait pas que la faculté de droit, il y a aussi par exemple la faculté des sciences aussi, qui elle est bien difficile, mais elle n'a pas la,
je veux mais dire, la bonne. Non, mais en fait, la faculté pour les études de sciences, elles viennent directement en dessous de la faculté, si je ne me trompe pas. De la médecine. Il y a médecine, il y a l'école dentaire, il y a la pharmacie. Il y a la pharmacie, certainement, et juste en dessous, ça va être justement les sciences. Oui, mais là, mais elle mais n'est là, pas, est-ce que, n'est-ce pas acceptée que le... ou bien réputée dans la société. Elle est bien difficile et elle vaut mieux que sa place actuelle. À plusieurs reprises, en fait, c'est le chef de l'État, le président de Fattah Sissi, qui a justement qui a conseillé, qui s'est déclaré, directement déclaré en faveur de l'enseignement qui répond, comme vous l'avez justement précisé, à la demande du marché, à savoir tout ce qui est rapport avec les sciences de l'ingénierie, tout ce qui est rapport avec la transformation numérique dans laquelle le pays s'est lancé au cours des dernières années, le computer science, si vous le voulez bien. Et il y a aussi d'autres facultés bien nouvelles, bien récentes, pour l'intelligence artificielle, justement, par exemple. Voilà. Pour les études spatiales aussi. C'est ça. Il y a des nouveautés, en fait, qui doivent répondre aux besoins de l'État. C'est vrai. Et la culture de la société, elle doit changer, surtout pour les facultés qu'on considère qu'elles sont des sommets. Et, moi, je me rappelle quand j'étais diplômée, j'ai obtenu au bac 99%, mais j'ai choisi de ma propre volonté d'intégrer la faculté de droit, parce que pour moi, c'est une valeur. Ce n'est pas du tout le pourcentage qu'on obtienne, ce n'est pas du tout le critère. Non, c'est pour cela qu'il ne faut pas justement Oui, alors moi je pense maintenant avec les pourcentages qui sont... Maintenant on trouve la médecine 92%. Autrefois, c'était 99%, voire 100%. Voilà, parce que dans le temps, justement, il y avait les 100%. Le ministre de l'Enseignement, de l'Éducation nationale, il a précisé que cette année, on ne va pas voir justement ces appréciations de 100%. C'est plus raisonnable. Voilà. Justement, opter pour cette éducation, pour un enseignement de qualité, n'est pas un choix si l'objectif est certainement, au moins pour l'Égypte, est d'édifier une nation, une civilisation, une culture et de réaliser un certain progrès. Aujourd'hui, partant de ce concept, c'est l'Égypte sous le patronage du président Abdel Fattah Sissi, c'est pas sous le patronage, mais c'est-à-dire l'Égypte du président Abdel Fattah Sissi a lancé depuis 2014 ou un peu après un projet national pour le développement du système éducatif. L'objectif n'était pas si simple. Voici tout de suite un regard sur les efforts qui ont été déployés en ce sens. La transformation totale du système éducatif en Égypte vise à passer d'un système d'éducation et d'enseignement à un système d'apprentissage, où l'élève n'est plus un récepteur passif, mais plutôt un apprenant qui interagit avec le système. Point final donc à la communication des connaissances et sciences. C'est dorénavant le temps d'un enseignement qui rime bien avec la vie quotidienne et professionnelle. Un enseignement basé à la fois sur les connaissances, les expériences et les compétences. Apprendre aux jeunes à chercher les informations eux-mêmes, à appliquer ce qu'ils ont appris dans leur vie personnelle et professionnelle. Certes, ceci n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Outre la préparation de nouveaux programmes et étudier de nouveaux systèmes d'évaluation, il ne faut pas oublier de changer les mentalités des élèves et de leurs parents à propos du système éducatif qui dépendait pour de longues années de l'apprentissage par cœur et des notes finales des examens. Une question qui n'est pas simple et qui demande du temps et des efforts. Les responsables ont bien pris en considération cette réalité en commençant leur plan graduellement. Par exemple, le changement des programmes s'effectue avec les premières classes de chaque cycle, en commençant par le premier primaire,
premier préparatoire et ainsi de suite. Les premiers examens numériques via les tablettes pour le premier secondaire n'étaient pas notés afin de permettre aux élèves de s'adapter au nouveau système. Même son de cloche pour les évaluations du bac égyptien. Le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement technique, Dr Tariq Chaouki, avait déclaré que l'objectif principal est de changer la vision des élèves et de leurs parents sur le parcourisme, sans rien apprendre, en s'intéressant seulement au total des notes élevées et aux facultés dites facultés de sommet. Dans ses interventions à la conférence internationale sur l'enseignement virtuel dans les universités, Dr Chaouki a expliqué que le projet national de développement et de l'éducation adoptée par l'Égypte vise à créer une nouvelle vision de la société sur l'enseignement. L'objectif est d'arriver à un élève qui a le plaisir d'apprendre et aspire à être plus créatif, plus de développement des programmes scolaires adaptés aux besoins du marché du travail, aussi bien au niveau national qu'international. Docteur Yousra Chaben, vous êtes professeur de droit à l'université de Ain Shams. Et là, on a voulu parler de la formation technique. Parce qu'il n'y a que l'Égypte, en fait, mais c'est plus ou moins à une vision commune des différentes nations, justement, de donner un élan. À l'enseignement technique. Peut-être, ici en Égypte, vous avez parlé de la culture qui n'appréciait pas tellement que son enfant ne soit diplômé justement de l'université, qui n'a pas justement un certificat ou un enseignement supérieur, disons, de qualité. Ça affecte toute sa vie, mais aujourd'hui, avec tout cet intérêt accordé à l'enseignement technique, à la formation technique, mais aussi au travail, justement, que cette personne va faire dans sa vie. C'est-à-dire, c'est tout un regard qui devait changer. Est-ce que déjà le regard a changé? On est où aujourd'hui? Moi, je pense que ça commence à changer. Ça n'a pas encore changé parce que, comme vous l'avez bien mentionné, les familles n'aiment pas que son enfant soit un technicien, un couturier. Alors que moi, je trouve que c'est très utile, bien sûr, pour la société et que ce n'est pas tous les étudiants, pas tous les élèves qui ont les mêmes capacités pour pouvoir intégrer les universités nationales. Ou les universités en général. La culture doit changer et on doit dire c'est plus l'ère des connaissances uniquement, mais aussi c'est l'ère des compétences. Connaissances plus compétences. C'est pas uniquement les connaissances académiques ou les connaissances qu'on doit avoir, mais aussi les compétences. Et pour les compétences, on doit encourager de plus en plus le système éducatif technique pour que ça soit spécialisé. Par exemple, dans le secteur industriel, et on a l'exemple de l'école d'Ambosco, si vous avez une idée de ça. Peut-être qu'on peut mieux généraliser en fait cette expérience. C'était en partenariat ou en coopération avec l'Allemagne ou l'Italie. Et on peut faire des écoles techniques par secteur. Par exemple, des secteurs agricoles, le secteur de l'entrepreneuriat, le secteur féminin. On peut très bien faire des écoles techniques à l'éducation féminine ou spécialisée qui répond vraiment aux besoins du marché. Voilà. Et en même temps, ça répond à la volonté et aux capacité normale de l'enfant. Voilà. Par exemple, moi j'avais vu en France une idée très intéressante que j'espère que ça pourrait être appliqué en Égypte, c'est que il y a des instituts de 2 ans pour le secteur, moi je parle du droit spécialement, après 2 ans il peut être secrétariat juridique ou un greffier, parce que certainement ou normalement, le greffier ou le secrétaire juridique n'est pas à la même hauteur ou n'a pas la même formation
que, par exemple, un juge ou un avocat. Alors, il n'a pas besoin de perdre 2 ans encore de sa vie, 4 ans, pour arriver à un résultat qui n'est pas le choix primaire pour lui. D'accord. Alors, si dès le départ il veut être greffier, il intègre directement un institut ou une école supérieure qui est juste de 2 ans, de 3 ans. On n'a pas besoin de passer par 4 ans, 5 ans d'études pour être X ou Y. Enfin, en fait, c'est un exemple, mais tout ce que je veux dire, que notre formation, elle doit répondre d'une part aux besoins personnels de l'étudiant et d'autre part aux besoins du marché du travail. Voilà, là, on parle de plusieurs critères. Lorsque vous parlez que, je ne sais pas, un secrétaire n'est pas peut-être à la hauteur ou ne doit pas avoir la même formation, par exemple, qu'un futur juge doit avoir, là, peut-être le regard. C'est-à-dire que ce n'est pas le seul critère. C'est-à-dire, certainement, si ça ne fait pas partie de la volonté de la personne, de l'enfant, de l'étudiant, ça doit être pris en considération, ça doit répondre certainement aux demandes de la marché, c'est-à-dire la société a besoin de combien de juges, d'avocats ou de médecins, certainement par rapport aux infirmiers, infirmières ou ce secrétaire, ça c'est d'un côté. Peut-être ce n'est pas directement lié au potentiel. Mais là, c'est-à-dire en fin de compte, c'est-à-dire que la société doit aussi avoir ce regard de respect, de respecter la personne, quel que soit le métier Oui, qu'elle effectue, exactement ça. cette personne. Oui, C'est-à-dire, oui. ce n'est pas par rapport à. Ce n'est pas une hiérarchisation sociale, mais c'est surtout pour répondre aux besoins du marché d'un côté. Là, c'est très important et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on parle de. Parce qu'en fait, les techniciens, par exemple, tous ceux qui travaillent dans les usines pour voitures ou autres, c'est-à-dire, ils sont des professionnels, des techniciens certainement, mais qui ont des connaissances directes par rapport au travail avec la machine. Ils ne doivent pas être un ingénieur. Et pourtant, il faut dire et le signaler qu'il pourrait y avoir une continuité d'études, c'est-à-dire il pourrait y avoir Oui. plusieurs cursus et parcours qui peuvent justement aboutir pour quelqu'un, par exemple, de très motivé ou qui, à un certain moment, a décidé de changer, de continuer ses études. Ce cursus et ce parcours est toujours ouvert. J'aimerais bien revenir en fait aux cursus aussi qui ont été élaborés par le ministère de l'Éducation nationale. C'est tout un mélange, c'est-à-dire on a eu recours peut-être à d'autres expériences de pays plus avancés comme la Finlande, comme le Japon, comme le Singapour. Et c'est-à-dire à partir de cela que de nouveaux programmes ont été justement mis en place. Est-ce que c'est correct? Il y a pas, oui, bien sûr. Et là, vous accordez une importance particulière à la coopération internationale C'est et ça. aux partenariats internationaux et que l'Égypte voilà, qui intéresse l'Égypte et que l'Égypte accorde une grande importance parce que la coopération internationale. Elle est si importante pour la formation des futurs étudiants. Et je viens, rappelez-vous, dans l'histoire, il y a par exemple Mohamed Ali Pacha qui a pris la décision de envoyer en bourse plusieurs étudiants comme boursiers du gouvernement égyptien pour pouvoir étudier et voir les autres civilisations. Et puis, à leur retour de cette mission ou de ces bourses-là, ils contribuent positivement dans leur pays, voilà, à la société égyptienne. Maintenant, c'est toujours le cas. Et aussi, il y a des écoles techniques. Moi, l'autre jour, j'ai vu des nouvelles concernant les écoles égypto-chinoises. D'accord. Et il y a d'autres avec la Corée. Donc le Japon,
Et avec le Japon aussi, voilà. Oui, tout à fait. Et c'est très intéressant pour les étudiants, voilà, d'avoir ça sur place et aussi d'aller faire des stages ou autres. Ouais, c'est très intéressant. Ou simplement que voilà, qu'ils puissent justement étudier ce programme. Et là, puisqu'on a parlé justement de ces partenariats, de cette coopération avec les autres, avec l'autre en général, avec ceux qui sont plus avancés dans ce système, dans la mise en place de systèmes éducatifs, là, il faut rappeler qu'à plusieurs reprises, le président Abdel Fattah Sisi, dans ses déplacements à l'extérieur, à l'étranger, disons, un accord, un intérêt très particulier est accordé justement à connaître, à voir sur place justement comment fonctionne le système éducatif. Et on voit justement des accords de partenariat qui sont signés et pour justement mettre en place ces exemples, ces modèles ici en Égypte. Et j'aimerais bien parler aussi de la coopération justement avec l'UNICEF à titre d'exemple, avec l'UNESCO, avec la Banque mondiale. En effet, il faut rappeler que la Banque de connaissances aussi a été, qu'une banque de connaissances a été mise en place au profit des étudiants égyptiens. Et là aussi, ça c'est un point très important. Voici les détails. Le projet national de développement et de l'éducation inclut tous les types d'éducation. L'enseignement technique préuniversitaire a souffert pour de longues années de manque d'intérêt. Avec le projet national, les programmes de ce type d'enseignement ont été revisés et modifiés, de même que les partenariats avec les entreprises et usines du secteur public ou privé, afin de permettre aux élèves de découvrir le milieu de travail et de développer leurs compétences. Nombre de stages de formation ont été offerts aux élèves, en plus des opportunités d'emploi pour les diplômés. Les partenariats ne sont pas seulement limités aux stages. De nouvelles écoles d'enseignement technique ont été ouvertes dans de nouveaux domaines qui répondent aux besoins modernes du marché du travail. À noter que les écoles japonaises sont également le fruit de la coopération entre l'Égypte et le Japon. En 2021, le nombre des écoles japonaises en Égypte a atteint 43 établissements dans les différents gouvernorats où le gouvernement égyptien vise à construire son autre école en coopération avec le Japon. Les écoles japonaises sont favorablement accueillies par les Égyptiens. Tous ces efforts déployés n'ont pas été vains. En décembre 2021, l'Égypte s'est offert la 73e place dans l'indice de l'enseignement préuniversitaire, en grimpant de 11 places par rapport à 2020. Elle a occupé la 68e place sur l'indice de l'enseignement technique et technologique, sautant ainsi de 12 places. Et enfin, pour l'indice mondial de la connaissance, organisé par le Programme des Nations Unies pour le développement et en coopération avec la Fondation Mohamed Ibn Rashid El Maktoum, l'Égypte a occupé la 53e place en 2021 au niveau mondial sur 154 pays et à la première place au niveau de l'Afrique, tandis qu'en 2020, elle occupait le 72e rang sur 138 pays. Bon, docteur Yousra Chaban, il ne nous reste qu'une petite minute, peut-être un dernier mot que vous voulez justement préciser. C'était juste pour dire que les diplômés doivent, ou les étudiants des baccalauréats, ou Sanaouya Amma, doivent avoir d'autant plus un côté pratique de voir quelle université, quelle faculté ils peuvent intégrer pour après 2 ans, 3 ans, 4 ans, avoir une place sur le marché du travail. Ce n'est pas du tout de l'hierarchie, comme vous l'avez mentionné, ce n'est pas du tout des facultés du sommet ou voilà. Il faut avoir le réflexe pratique. Qu'est-ce que je peux travailler après 4 ans? Où est-ce que je vais me retrouver? Très bien. Mais
tout à fait d'accord. Et justement, ce n'est jamais la fin du monde, qu'il y a toujours un certain espoir, un autre parcours peut-être ouvert à suivre à un autre moment. Merci beaucoup à vous, Dr Yosra Chaben. Vous êtes professeur de droit à l'université de Ain Shams. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir. Merci. C'est toujours un plaisir. Merci à vous aussi, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. À la prochaine.